Je traînais sur Google quand j'ai vu Multicore, Planète Minecraft, Pack PVP 1.8, machin, 2000 vues, comment ça 2000 vues que j'avais loupé apparemment, enfin du coup c'est parti pour le tester. Donc ce serait un pack qu'il a créé pour son youtubeur favori, c'est-à-dire moi. Et donc en gros c'est un pack qui change juste les armes et les items importants, mais du coup c'est parti pour tester. Hein. Multicore Pack créé par Darts Game. Alors déjà c'est super stylé, vous pouvez voir que là genre là il y a un cerveau en fond, il y a un logo d'iPixel, il y a du bleu, un peu comme genre sur ma chaîne YouTube et tout. Mais je vais tester avec le Minecraft Launcher de base. Ah voilà, regardez, c'est trop stylé. À la place du Minecraft, il y a vraiment écrit Multicore, c'est hyper... Déjà, c'est giga stylé. Oh, il y a aussi mon truc de diamant. Genre, il a détouré les trucs, je crois. C'est trop bien. Bon, bah, on va jouer un petit peu sur les pixels pour tester. Bon, faisons du petit Bedwars. Bon, après, les cœurs et la nourriture, vous voyez, genre, ils sont flous. Enfin, je pense que ça se voit, mais genre, en fait, ils sont complètement flous. Je sais pas comment il a pu faire ça, mais on va bien voir du coup ce que ça donne au niveau des items. Oh, et bah voilà, bah, l'épée déjà est bien réussie. L'épée, elle est quand même de très bonne qualité. Regardez, genre, c'est pas un truc, ça se passe, ça, c'est clairement un truc 250 000 x 250 000. Du coup, j'ai une épée en bois. Regardez, en plus, il y a les couleurs de mon skin et tout. Regardez, c'est trop stylé. Genre, là, il a mis les couleurs de mon pantalon. Il a mis du jaune comme ma couronne, oh, il a fait un truc super beau. L'épée en pierre qui ressemble à ça, voilà, du coup c'est un peu pareil, sauf que bah y a, du coup c'est de la pierre tout simplement. Les pioches, oh il a fait les pioches, oh regardez les pioches c'est pareil. Regardez c'est vraiment les couleurs de mon pantalon de skin en plus. C'est bon, je regarde le youtubeur, du coup je peux passer. Hop, hop, ok, alors par contre la TNT bleue tu vas pas la poser, non c'est pas cool. Alors par contre vraiment la croix on la voit pas du tout, hein. Je sais pas si vous voyez, mais enfin vraiment je pense que si vous voyez qu'on la voit pas. Hein. Et il est il a totalement déconnecté, il a totalement rage quit. Mais il a quand même pensé à faire les pioches, les haches et tout, du coup en fait c'est un très bon pack pour le Bedwars. Pif paf pouf, pif paf pouf. Oh les diamants, regardez, ils sont trop stylés. Alors les diamants sont giga stylés, mais j'ai l'impression, peut-être c'est juste une impression. Regardez la texture, elle ressemble beaucoup à la texture que j'ai utilisée du coup dans mon clip de ma parodie Minecraft diamant. Espérant trouver du diamant, enterré ou à l'air. Non, il n'y a pas de diamant. Mais du coup, certainement une référence, je trouve que c'est super stylé. Du coup, la petite hache. Oh la hache, par contre, elle est stylée la hache. Regardez les pommes d'or, elles sont toutes belles. Je suis vraiment hyper pas chaud niveau PVP, genre là vraiment, je vais faire juste n'importe quoi. Voilà, comme vous avez pu voir, oh, non mais là, au bout d'un moment, elle abuse pas. Quoi? Peur. Mais tu vois ça c'est quoi? Alors du coup on a aussi les TNT que j'avais pas testé, ok. Regardez le seau d'eau. Et donc l'eau qui a une texture normale, du coup le seau de lave un peu pareil, regardez. Les bouteilles d'enchantement, regardez l'arc il est en or, en plus avec les couleurs de mon skin encore. Et du coup quand je tire ça fait une flèche de toutes les couleurs et pouf la flèche. Oh ça fait des... En plus il a, je connais ses particules. Il a fait les underpearls donc il ressemble à ça, voilà, ok. Il a aussi fait toutes les potions, comme ça je peux boire une bouteille d'eau, voilà. Super stylé.